Et bonjour YouTube, comment ça va? On se retrouve pour continuer, voire peut-être terminer la partie sur Parasite Eve. On y croit à mort. Parasite Eve 2, bien sûr. J'y crois à mort. Ça se voit, hein. Normalement, ça se voit à mon visage, j'y crois à mort. Donc, c'était par où? Bah, c'était en face, tout simplement. J'ai pas envie d'aller voir les pièces infestées. On n'est pas là pour faire le ménage. Allez, on descend. Voilà, on s'est déjà préparé. Hein. Même si a priori, ils vont m'emmerder. Ah mais ça me bouffe mes PM en plus. Ça bouffe les PM, les ondes de choc comme ça. Et là, j'en récupère même pas. Ah, génial. Donc, ouais. Ok. Donc, en gros, soit ça, soit ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon SP12. Je pourrais équiper le SP12 avec du slug. Trajectoire très stable. Je récupère mon rifle. Je crois que là il faut que je dégomme, faut que j'enlève le GPS, que je mette les buckshot si jamais je n'ai plus de slug. Bon, allez, un ascenseur, on va descendre. On va aller chercher le responsable de tout ça. Corridor. Hein. Par contre, le fait que ça bouffe les PM, je suis pas trop d'accord. Alors là arrive le premier combat a priori. Ok, on récupère un peu de PM. Au niveau 2.
problème, il manque des places pour mettre de l'eau, des machins, des trucs. Après, je pourrais équiper ça à la place du crâne de cristal. Mais bon. Déjà utilisé. Voilà. Il y avait trois haut-parleurs. Ah, le training room. C'est ça qui va... Dans lequel on va avoir un boss. Alors. Boss, oui. Utilisons le... truc là. Ah oui, si. En attachment. La place du crâne de cristal. On va quand même mettre une solution de ringer. Et par contre, le crâne de cristal. Utiliser. Libération de pyrokinésie. D'accord. Ah. C'est niveau maximum. Ok. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. On avance. De toute façon, on est sauvegarde avant. Ça c'est nul. Bon bah faut rééquiper ça. Champ magnétique. Pierre cinétique. Génération. Non. Voilà. Pas l'air d'être affecté. Arrête de tomber, Abrutix. Thank you.
Mais arrête. Mais tu vas y arriver, oui. Génération. Et allez, vas-y, continue, mais continue, continue. Et là, on a des PV. Mais bien sûr. Champ magnétique. Vas-y, fais ton rechargement. Mal. Ah mais y'en a pas, y a pas autre chose à faire là. Non, bah non. Apparemment, non. Mais tu vas t'arrêter, oui. Pénible. Et bien sûr, la paralysie, on a que ça à foutre.
avec tout ce que je lui ai mis, il est toujours pas mort. C'est chiant, que c'est pénible. Toujours pas mort, hein? Qu'est-ce que tu veux que je foute? Et l'aveuglement! Allez, parce que pourquoi pas? Parce qu'on en a rien à foutre. Il veut pas crever. Tu vas crever un jour, ouais. Eh ben quand même. Oh la vache. Pouh. Terrible. On l'a enfin coincé! Cette petite, c'est la cible qu'on recherchait. Ça ne fait aucun doute. Alors finissons-en. Bah ça reste qu'une gamine, hein. Et dis donc, Kaya. À première vue, c'est une gentille petite fille, mais... Elle ne serait pas un peu dangereuse, en fait ? Chut, ne parle pas si fort. Cette petite, elle s'appelle Eve. C'est écrit sur le casque. Et tout ce qui est de plus pur, je le sens. Bien sûr. Ce casque est un amplificateur d'ondes cérébrales. Un ami japonais m'a montré un article présentant ce genre d'appareil. L'organisation qui a racheté cet abri projetait de se servir d'elle pour contrôler les ANMC, tout en accélérant sa croissance. Ils lui ont donné une éducation normale. Puis ils ont essayé de la contrôler en lui inculquant un sentiment primitif. Un sentiment primitif ? La peur.
lavage de cerveau basé sur l'instinct de défense. Elle ne sait pas parler. Oh, les monstres! Faire ça à une gosse! Mais c'est pas toi qui voulais la buter juste avant, là? Mais l'organisation a échoué, non? Il suffit de voir où on en est. C'est de la folie d'essayer de contrôler la néo-mitochondrie. La mitochondrie parasite chacun d'entre nous. En fait, ce projet est une aubaine pour la néo-mitochondrie. En faisant semblant d'être contrôlée, elle incite les humains à la multiplier. Mais oui. Je comprends maintenant. On croyait que les NMC s'étaient enfuis de là dans la tour, mais en fait, c'était la néo-mitochondrie qui voulait annoncer son retour aux humains. Probablement. Eve ne voulait être utilisée ni par la néo-mitochondrie, ni par l'organisation. Alors elle a cherché à se protéger pendant qu'elle le pouvait encore. Mais attends une minute. Comment tu sais qu'il y avait des ANMC à l'Acropolis Tower? Alors, le téléphone... oui, si, quand même. On se régénère un peu. Voilà. D'accord. Super conversation. Essayons de joindre l'extérieur. Déjà. Quoi, c'était un enfant ? Eve, une petite fille ? Dommage, je m'attendais à autre chose. Mais tu vas bien, c'est le principal. Tu me raconteras tout ça en rentrant. Pour l'instant, il faut que tu ramènes cette gosse. Si tu veux qu'on vienne te chercher, indique-moi ta position en sortant. Je t'enverrai tout de suite un hélico. On va faire un nouveau fichier parce que on a utilisé le crâne de cristal. Bon. Ok. C'est cruel de faire porter un site tel truc à un enfant. C'était qui? Il n'y avait personne au bout du fil. C'était sûrement pour vérifier s'il y avait quelqu'un ici. Cherchons des trucs. Poche pour faire fusion. Solution de ringer, oui. Je te l'emprunte, Eve. Un baladeur. Un baladeur, tiens donc. Alors attends. Une place. On va en faire de la place. Eau de toilette. Jeter. On prend le baladeur. Alors, qu'est-ce que c'est? Résiste à la confusion et à Berserk. Musique relaxante. Oh là là. Un lecteur de mini-disques. De chez Sony, évidemment. Le truc inutile au possible. Bon, ça je peux le reposer justement. Et buckshot. Ah, j'aurais pas dû utiliser le crâne de cristal. Tant pis.
Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave. Des seins éparpillés, des hommes en sang se faisant tuer, des cadavres carbonisés. C'est pas le genre de sang que font les. C'est pas le genre de dessin que font les enfants normalement. On voit à quel point ils lui ont donné une fausse idée de la vie. Malgré tout ça, elle a réussi à garder le fond de son âme pure. Est-ce que ce serait la mitochondrie qui aurait protégé son âme? Non, ce n'est pas possible. Mais après, si c'est ton clone à toi. Uh-oh. Oups. Oh, du gaz. Ah, y'a par ici. D'accord. Là les golems. Allez, bouge-toi. Kai, dépêche-toi. Non, Kai, dépêche-toi. Ouais. Il est bien équipé quand même ce Kyle. Kyle. On est où? On est là. Ok, il a bouché le trou avec le lit, mais le gaz s'échappe quand même. Ce sont les écrans de surveillance de la pièce à côté. Viens avec moi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Prendre contrôle. Chose à donner à Eve 3 fois par jour tous les jours. Des protéines. Ah, alors par contre moi je veux bien des protéines. On va virer On va virer un médoc. Voilà. On n'a pas le temps. Bon, on n'a pas le temps, faut y aller. Allez, ramène-toi. Alors, mais ramène-toi, c'est fou. Alors, tu viens? Allez, on y va! Si, si, on y va! Allez, on y va! Bon, tu viens, oui! Bon, elle commence. Regarde ce qu'il y a dedans, oui. Oh là là, c'est. Voilà. C'est une sœur d'Eve, la mienne aussi. Non, c'est un clone. Oui, bon. Tu viens, oui? Oh là là, mais c'est pas possible! Je peux pas l'assommer, quelque chose? Oui, continuez de me faire chier avec votre gaz à la con, là. Ton amie m'a dit qu'elle voulait rester ici. Allez, on y va. Allez. Oh putain, enfin. Bon, tu viens, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait chier? Mais ramène-toi. Allez.
On n'a pas le temps. Oui, bah viens. Oui, bah arrête de tousser, avance. Oh, je m'arrête pour tousser parce que je suis trop con pour avancer. Et voilà. Et voilà, on va devoir recharger parce que mademoiselle est trop conne pour avancer. Voilà. Non, mais c'est bien. N'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Merde, non, c'est pas ça que je voulais charger, bruti. Eh ben non. Eh ben non. Terrible. La nurserie. Ah là 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 là. Terrible. Je peux pas laisser tomber, ouais. Ah oui, Ah oui, il y avait une solution de ranger encore ici. Firefly, il faut que je les dégage. Ouais, partons d'ici, j'ai un mauvais pressentiment, voilà. La cutscene qui s'avance, tout ça, Kyle, machin, voilà. Oui, je regarde ce qu'il y a dedans, oui, oh là là, c'est... voilà, c'est une petite sœur, c'est surtout un clone. Allez, il faut vite sortir d'ici. J'ai plus de place parce que chier. Utiliser. Ah oui, l'eau de toilette ajoutée. Alors, tu viens? Enfin. Ah, c'est sûr que si elle s'arrête, si elle ne s'arrête plus pour tousser à chaque pas, ça avance plus vite. On retourne dans l'arche. Eve, qu'est-ce qu'il y a? Des ennemis, a priori.
C'est bon. Je récupère un petit peu de PM. Alors là, par contre, on peut voir que voilà, il y a des ennemis partout. Eve s'est barrée au lieu de rester avec nous. C'est génial. Les machins, ils sont au bout de leur vie. Pas que ça foutre. Hein. Oh là là, que se passe-t-il? Ah là, elle se fait enlever. Oh là, tout doux. Je pourrais la briser en deux avant que t'aies le temps d'utiliser tes pouvoirs. Cette petite ne te servira à rien. Laisse-la partir. Oh, que si, elle va me servir. Ici numéro 9. J'ai capturé la reine. Prépare l'hélico. Je te donne 20 minutes. Je veux pas le savoir. Ils ont flairé l'affaire. Grouille-toi. Bon bah voilà. Fais pas cette tête. Je serais bien resté m'amuser un peu avec toi. Mais je n'ai vraiment pas le temps. Mais t'inquiète pas. Mes hommes ont tout leur temps. Et ils sont plutôt costauds. Attends. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? Assure-toi, c'est un spécimen précieux. Je ne la tuerai pas. Enfin, on ne sait pas si cette chose vit vraiment, mais bon. Reste où tu es. Mais au fait, j'ai failli oublier de te remercier. En supprimant le champ de force, tu nous as permis de capturer la reine. Merci, c'est très gentil. Bien sûr, elle reste là. C'est pas vrai, Eve. Ouais, mais à l'époque, je me disais, mais pourquoi? Quoi? Tire-lui dessus, fonce! Et dis qu'elle est précieuse pour eux. Profites-en! Il va pas la tuer comme ça. Si je te dis que j'en ai rien à foutre, tu me crois? Moins 10, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Voilà. Non mais ça va être clair, hein. Là, j'en ai strictement rien à foutre. Les ennemis. Bon, a priori, pour monter. Donc je rattrape ce type. Ouais, hein, c'est ça. C'est ça, faut remonter. Merde, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis allé là?
suis où? Je suis là. Alors. Le parking souterrain peut-être? C'est bizarre. On va remonter. Pot bottom. Ah, peut-être le pot bottom. Mais oh, arrêtez de faire chier. Plus de couilles. Très solide et verrouillé. Montez. Marche plus. Ah! Il marche plus! Bon bah, faut foncer alors, a priori. Non, c'est pas ça que je veux. Mais non. Bon bah c'est en face alors. Faut que je fonce en face. J'en ai rien à foutre de ces combats. Ok, l'ascenseur là, il doit fonctionner. Normalement. On va bien. Alors, je suis là, il faut que j'aille déjà à l'armurerie. Puis peut-être le pot de country. Et déjà à l'armurerie. Verrouillé. Ah, je peux pas. Bah non alors. C'est pas par là. C'est où? Par là. Oui. Par là, on peut passer. Ok, je suis là. Faut que je repasse là. Ok, puis à gauche pour retourner à l'armurerie. Bonjour. Au revoir. Voilà.
Alors, munitions. Déjà, on recharge toutes les munitions là. Du buckshot. Rebelle, on s'en fout. Du rifle. Ok. Y a pas d'armes en plus, hein. Non. Ok. On va se rééquiper du. Voilà, du M4-1. Ok. Control room peut-être. Est-ce qu'il faut aller au control room pour contrôler les golems ? Ça se fait que... Aïe 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 aïe. Ils sont bloqués. Bon, bah ça reste bloqué et ça sert à rien. Ok, ça sert à rien d'être là, a priori. Allons au parking souterrain, on verra bien. Ah bah bravo! Mais c'est quoi ces conneries là? Oh! Arrêtez de m'emmerder, oui! C'est dégueulasse! C'est quoi ces conneries là? Oh, j'ai pas le temps. Merde. Pas le temps. Tite a été enlevé par cette espèce de primate, le salaud. D'abord il m'injecte du poison dans le bras. Maintenant il s'en prend une gosse, quelle lâche. Mais attends, il a parlé d'un hélico, hein. Vu la taille des installations en dehors de l'entrée par la mine, il doit y avoir une entrée principale pour les livraisons. C'est là qu'il faut aller. Allez, on sauvegarde. Est-ce que ce serait ici ? Je vais pas récupérer la clé. C'est qu'il doit fonctionner. D'accord. Cool.
Essayons-en un autre, d'accord. Alors déjà. Clé. D'accord, ouais, ça dit pas. Ça dit aucune indication. Appuyez sur les boutons ronds. Ah, attends. Vert, jaune, rouge. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, ça? Et vert et jaune. Call. Il y a quelque chose ici. À cause de cette caisse que le panneau indique une erreur. Sacoche de ceinture. Non, non. On va jeter Hydra. Psychoprotection a gagné une case en attachment. Youpi. C'est super. Merde. Il y avait les protéines que j'ai bouffées encore. Ah là là. Plus rien dedans, d'accord. Non. Ah. Oui. Mince, la clé rentre pas. C'est pas la bonne voiture. Oh. Oh, 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 oh. C'était pas la bonne voiture. Il y avait une voiture, mais c'était pas la bonne. Non. Rouge et jaune. Eh, j'ai oublié un truc. Le call. Oh yeah. Parce qu'on aime se faire chier. Y'a pas un truc là pour m'indiquer quelque chose ou... Question de survie, non.
Tirez la voiture, passez la carte dans le lecteur, attendez ouverture. Ouais. Faut d'abord mettre une voiture. Moi je veux bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une indication de bagnole quelque part ou... Non ? Appelons celui-là. Parce qu'on a fait le vert jaune. Vert jaune rouge. Hein. Ah. C'est encore pas celle-là? C'est quoi ce beans? Non. Qu'est-ce que ça dit ça? Le 3, qu'est-ce qu'il dit le 3? Ah, c'est la bonne. C'est la bonne voiture. D'accord. La plaque tournante. Sur sa plaque, passez votre carte dans le lecteur. Attendez ouverture. Passer une carte dans le lecteur. Carte de Yoshida. Impec. Allons-y. J'y vais en bagnole, hein. Ça c'est étanche pour piéton, d'accord. On est où? Airlock, il y a des ennemis. Scheiße. Voilà, 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 voilà. Mais non. Oh, comment ça me pelait? Puis les machins qui seront invisibles, non merci. Hein. Enfin, invisible, c'est même pas invisible. C'est quasiment immatériel, les gars.
Voilà. Airburst. D'accord. Mais c'est la moto qui était garée dans la mine, c'est celle de ce numéro 9. Je reconnais les tuyaux en cuir ornés d'une couronne sur le côté droit. C'est la sienne, c'est sûr, mais c'est à Eve, ça. Une peluche. Tu vas me le payer! Un autre. On peut pas le déverrouiller d'ici. Ah, on fait comment alors? Ah, voilà. J'étais pas sur la bonne porte. Ok. Le système de sécurité. Le code est déjà tapé, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Bah oui. Tu vas te prendre les dégâts, oui. Ah, impeccable. Il s'est fait toucher par son pote. C'est génial. Oh là là. Voilà. Un de moins. Ouais. Alors c'est bien, sauf que je n'ai pas de lance-grenade. On est où? Le Blue Walk. Quelque chose ici. Remorqueur électrique. Marche pas, d'accord. Posez le panneau de contrôle. Ouvrons le portail. Allons-y. Ah, mais au fait. Voilà l'armée de zombies. Enfin, de golem, comme ils disent. Oh, une femme! Oh là là! Ah, non, peut-être pas. L'armée. Non, la tête, uniquement la tête.
à la Maison Blanche le 6 septembre 2000. Alors, où en sommes-nous ? Notre détachement maîtrise quasiment la situation. Quasiment ? Que voulez-vous dire par là ? Il reste une zone qui est protégée par un champ de force biologique. Le même phénomène qu'il y a 3 ans. Probablement. Mais le précédent rapport affirmait que l'agent du Mist l'avait détruit. Effectivement, mais il s'agirait là d'un nouveau champ de force. Serait-il centré sur notre cible ? C'est fort probable, nous ne l'avons pas encore retrouvé. Et notre espion ? C'est Kyle, hein. Spoiler. Enfin, spoiler. Nous n'avons plus aucune nouvelle. Mais ce n'est pas possible ! Il n'y a plus rien à faire, alors ? Il reste le plan D. Un tir de l'éléphant détruirait tout en un instant et nous éviterait le pire. Pas sûr. Combien de temps avons-nous pour le retrait du détachement ? Il est malheureusement trop tard. Ils seront enterrés en héros au cimetière d'Arlington. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est facile de décider de la vie d'autrui, hein ? C'est une décision très grave que vous me demandez de prendre. Monsieur le Président, le sort de 260 millions de citoyens américains dépend de cette décision. Je le sais. La néomitochondrie ? Je me doutais que vous ne seriez pas au courant. C'est elle qui engendre les créatures que nous, le MIST, nous chassons. Et vous dites que ça crée une pollution biologique dans l'abri ? Oui, une masse de néomitochondries ayant perdu leur hôte est en train de rôder à la recherche de nouveaux corps, comme un Bernard d'Ermite. De but en blanc, c'est un peu difficile à croire. Mais il n'y a aucun danger puisque mes hommes ont tous un équipement NBC. Ce n'est pas si évident que ça. Elle peut aussi très bien agir sur leur propre mitochondrie. Outre ces cyborgs, leur rapport fait également mention de monstres. Mais par bonheur, aucun soldat ne semble avoir été contaminé. Pour l'instant. Vous devriez au moins mettre en quarantaine ceux qui sont entrés. Vous avez raison. C'est ce que je vais faire. Au fait, excusez-moi de vous demander ça, mais et vous ? Puis-je vous parler, mon lieutenant ? Excusez-moi. Dave. La chambre est...
Agent Bree, j'ai une bien mauvaise nouvelle. Nous avons passé les environs de peigne fin, mais... il n'y a aucune trace du colosse et de la fillette dont vous nous avez parlé. Ni de qui que soit d'autre. Ah bon? Mais j'y pense. Avez-vous le contrôle total de l'abri? Eh bien, en fait... pour tout vous dire, un obstacle invisible nous empêche de pénétrer dans un des secteurs. Je m'en doutais. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Ah oui. Et je devrais pouvoir y pénétrer. Ça ne vous dérange pas que j'aille voir ce qui se passe? Si vous voulez, les zones sous notre contrôle ne posent pas de problème. Mais nous ne pouvons pas vous garantir les étages inférieurs. Soyez prudente. Oui, enfin, c'est pas comme si elle était venue toute seule déjà nettoyer le coin. Bon, très bien. Une sauvegarde. Allez, on peut y aller. Tac. L'armée. Et ce ne sont pas des marines. Bon, revenez ici pour l'instant. Je refuse. Je ne peux pas laisser la petite se faire tuer. Revenez, c'est un ordre. Désolé, ma décision est prise. Allez, on sauvegarde. Voilà, et on va dire au revoir YouTube. A bientôt YouTube pour un prochain épisode. Peut-être le dernier, j'espère. Des bisous.